distribution gratuite des denrées alimentaires de première nécessité aux couches socialement fragiles. Une opération qui s'effectue tant bien que mal, comme nous le relate ici Stevie Oyanmezui. La distribution des bons d'achat dans plusieurs familles vulnérables du Grand Libreville depuis le 13 avril dernier, début de cette opération, se poursuit dans les différentes communes. Une distribution qui semble susciter polémique auprès des populations, tant l'attente paraît longue. 8000 bons d'achat déjà distribués sur 60 000 existants. Les responsables du ministère des Solidarités nationales maintiennent la consigne de départ. Restés dans les maisons, les agents de la banque alimentaire font du porte-à-porte. Sur le terrain, les plaintes se multiplient car beaucoup se posent la question de savoir qui est véritablement ayant droit. À nous, ils demanderont même quels sont les critères de sélection car quand ces agents distributeurs sont sur le terrain, ils ne toquent pas à toutes les portes. Les bons d'achat sont destinés aux personnes vulnérables, aux économiquement faibles. Là encore, il faudrait définir qui est réellement économiquement faible. En attendant la réponse, une stratégie de communication entre les organes en charge de l'applicabilité de cette mesure et la population serait la bienvenue. Car des actes de vandalisme sont déjà orchestrés dans les épiceries de Libreville et même de Port-Gentil, avec pour mauvais prétexte la famine. La lutte contre le coronavirus est une crise sanitaire, faut-il le rappeler. Les mesures d'accompagnement déployées par le chef de l'État doivent arriver à bon port.